Singeoua. Oh yeah! Oh yeah! Salut à tous! Ouah! Merci Roby, je voyais un sub déjà. Le stream a même pas encore commencé, c'est dingue! Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va super. J'ai plutôt bien dormi. Correctement en vrai. Un singe à l'écran, logique. Logique. Monkey does what monkey want. Hop. Je me décale. Black Meat Wukong. Est-ce que j'ai besoin d'attendre pour lancer le jeu? Non. Je rappelle où est-ce qu'on était. On affrontait cet enculé de rat de merde. De con. Merci. Buenas tardes. Quel rat de merde, quel rat de merde. C'est ma mat. Bah ça va, ça charge pas trop longtemps. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Ah oui. Pour pas se casser les couilles, on va juste tac tac. On va aller plus haut tranquillement. Je crois que c'était ça devait être par là. On va revenir en avant et on va lancer la quête de merde là. Je crois qu'il y a une quête pour justement faire plus tranquillement la saloperie de rat de merde là. Donc on va la faire, de toute façon ça fait du jeu en plus. Même si ça me fait chier de devoir faire une quête pour pouvoir faire un boss sans m'emmerder. Parce que le boss est vraiment très chiant à affronter. Honnêtement. Attends, c'est pas par là. Oui.
I'm matching. Est-ce que je peux repasser par là? Ah oui, je peux. C'est Kélian. Et salut à tous mes fans de gaming. Et surtout mes fans de sage. Attends, il est par où déjà? Allez. Hop. Je sais plus par où faut aller. Je crois qu'il faut remonter là parce que c'était ça. À gauche là il y avait le boss. Et moi j'avais été à gauche alors que je pouvais aller à droite là par là, je crois. Allez Martin. Ça commence. Mais c'est, ça commence. Hop. Alors, ce que je me rappelle, le rat c'était là. Et ça m'avait dit quoi? Nanana, par là il y avait les deux rats. Ça mousse. Enfin, je sais pas ce que je suis censé répondre. Ah voilà, il y a cette porte là. Ah, fermée par l'autre côté. Comment ça s'ouvre alors? Comment j'ouvre ça? Alors si c'est vraiment juste ça. Ah ok. Fabrice, pour ma part, au Benito. Et on m'a dit là il y avait un truc à faire, genre de ce côté là, mais je vois rien du tout en fait. C'est quand même quelque chose. C'est moi ou le jeu marche pas normalement là encore? Alors là je le frappe, ça marche, ça met pas des coups sur le. Et dès le matin là? Dès le matin là le. C'est une blague là? C'est quoi cette merde? Donc il a fait 3 mètres, ça y est, ça a reset son aggro. Fils de pute, va. C'est quoi ce jeu? Donc là voilà, je me mets dans son dos, je frappe dans le mec. Ah, ça marche. Oh là, c'est ce jeu, frère. Oh là là.
Oh là 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 là. Dès le matin. Je lance le jeu, ça y est. Bon, cependant, apparemment, il y a une quête à faire de ce côté-là, quoi. Pourquoi je vois rien du tout? Ah, peut-être fallait que j'aille à droite là-bas. Bien dit Martin. Excellente idée. Et tu vas voir, c'est trop cool comme jeu. Il y a des boss qui se font repousser par le bâton, mais lui, un simple champignon, il se fait pas repousser. Ah, purée de pommes de terre. Ah, purée de pommes de terre, dis donc. C'est fort. C'est fort. Ça doit être un super méga champignon. Bah écoute, si ça peut faire plaisir à des gens, il y a des gens, ils aiment trop mettre des brands et tout et tout. Je sais, est-ce que ça vous rassurerait que ce soit un Souls-like? Qu'est-ce qu'on y gagne à comment dire, ce que ce soit brandé Souls-like? En fait, je comprends pas cette volonté de vouloir à tout prix brander le jeu, lui foutre ce nom à tout prix, mais genre vraiment à tout prix de Souls-like sur le front. Quel est l'objectif, quel est l'intérêt, quelle est l'idée? Si vous voulez, c'est un Souls-like, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un jeu de gestion. Regarde, je dois fabriquer des armures, fabriquer des potions. Je sais pas, je comprends pas l'intérêt d'à tout prix. Parce qu'il y a des trucs qui n'ont aucun rapport avec un Souls. En fait, je dis pas ça pour être désagréable, mais c'est vraiment. J'entends pas cette idée d'à chaque fois mettre des étiquettes de con. Hein. Là on est plus dans un RPG ultra... Oh mais attendez, il y a un truc là-bas. Ah bah là j'ai pas été là, on est d'accord. Bah ouais c'est ça, les gens veulent être capables de mettre des mots parce que sinon ils sont pas capables d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ah bah voilà, c'est ça qu'on m'a dit qu'il fallait que j'aille. Ok, cool. Non mais pour autant, je ne dis pas que c'est une extrêmement mauvaise chose. Je dis juste qu'effectivement, ce serait dommage de simplement le brander comme étant un Souls-like alors que manifestement il fait quand même des trucs beaucoup plus sympas je trouve. Mais il est tout aussi cool. Il y a des mécaniques qui sont prises aux Souls, mais Dark Souls avait pris ses mécaniques autre part. C'est de la même manière, mais je... Certes, c'est une recette affinée par Dark Souls, la façon dont ça a été fait. Mais là, c'est quand même assez différent, du moins dans la mécanique et dans la maîtrise du truc. Peut-être dans la façon dont les ennemis peuvent se comporter, en mode ils s'attaquent à plusieurs, etc. Mais même ça... Il y a quiproquo... Non, mais on n'est pas en train de te... faire la morale, évidemment, le chat du bistrot. Là, c'est un constat plus large, quoi. C'est pas... c'est pas ton procès, genre. Non, moi, je fais pas procès. Non, je l'ai pas tué encore.
Oh, ça marche pas, sans déconner. Bah ouais, c'est ça. Classe. Tous c'est les mobs au rebord de falaise. Ouais. Holy Kodemenkawel, je rappelle. Eh oui, bah ça va me mettre directement instantanément en boost d'énergie. Ouais, ça c'est excellent, petit Benji. Le fait que ta progression soit pas stoppée par la mort, ça je trouve que c'est un bien meilleur truc. Enfin un bien meilleur truc. Sur les souls, c'est une mécanique commune qui est dans le jeu et je l'entends et je l'apprécie. Enfin à sa valeur. Mais ici, c'est vraiment cool de pouvoir progresser et de se dire bah je peux progresser, c'est pas grave, la mort n'est pas un handicap aussi violent. C'est plutôt c'est plutôt linéaire en vrai. Bon. Oh là là. C'est plutôt linéaire mais t'as des zones alter enfin ah, comment on dit déjà? What? Lui-même. Singe. Il y a des zones, comment on dit déjà? Putain! Annexe, ouais. T'es pas obligé de les faire, mais... Ah, le truc c'est que ça te donne quand même de la progression, ça te donne éventuellement des items, ça te donne des trucs quoi. Sérieux. Alors par contre le problème du jeu c'est les gangbangs ou les ennemis qui pareil encore une fois. Voilà. Donc ça on pourrait lui le donner, c'est du Souls-like. Les ennemis sont des trash mobs de merde mais ils ont quand même 150 000 PV frère, c'est bon. C'est juste ça par contre, c'est juste chiant quand tu fais de l'exploration que les ennemis juste ils aient 150 000 PV, c'est des sacs à PV frère. Là, c'est juste chiant, genre tu te balades, tu veux essayer de découvrir la map, non, t'as des ennemis qui ont 150 000 PV frère. C'est nul ça, ce genre de truc. Je comprends pas. Ça c'est la mode à la, depuis comment dire Elden Ring, là ils ont rajouté ça. Personne n'aime ça. Les bandeurs de ça dans Elden Ring, c'est des fils de pute, voilà, je le dis. Et si vous appréciez vous faire détruire par des ennemis qui ont 150 000 PV, vous êtes un tocard. C'est bon, frère. Les mecs font semblant d'aimer ça là sur Elden Ring. Allez vous faire enculer, c'est bon. À faire les malins là. Oui, moi je préfère. Bah, c'est de la vraie difficulté. Ta gueule, c'est pas de la difficulté. Connard, va. Vous aimez même pas les jeux vidéo, c'est une folie ça. Moi Elden Ring c'est le jeu entier sans mourir une seule fois et ça prendra un coup hein. Sinon c'est pas Elden Ring. Fils de pute. Eh y a pas d'heure Rémi, je me suis réveillé tôt ce matin. Eh oui, ça annule. Oh lui je vais l'enculer. Il a deux vies, frère. Parole de singe. Monkey talk. Le texte de merde. T'aurais dû mettre tel up. S'il y a tel up, Rémi, pour mettre en haut le texte. Just saying. Y'a pas moyen de détruire le mur là. En tout cas c'est bien dit. Non mais attends, je suis désolé de just say the fact.
C'est pas vraiment de la difficulté. C'est histoire de te dire, bon. Ça ralentit la progression. Ce qui est logique. Évidemment. On trouve toujours de la logique dans les trucs. Mais... Ah bah c'est très deep ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Attention hein, parce que moi c'est streaming de type mauvaise foi, vérité et quelques petits trucs absolument sans sas. Eh oui, bah je vais vous en balancer des choses aujourd'hui. Et ça va pas faire que plaisir. Encore une fois, tout a été dit. Poil à gratter, exactement. Ça va être... Ah mais de toute façon, c'est évident, sur fond de mauvaise foi, il y a toujours des vérités. Je peux pas dire que des conneries. Sinon, bah je... Bah voilà, c'est la fin du monde, quand même. J'ai envie de dire dafug. Allez, dans ta mère, bouffon. Par contre, ouais. Non, vraiment, les mouvements du jeu, c'est exceptionnel. Ah ben oui. Non, mais la mauvaise foi, c'est une façon aussi de... Wouh. D'exprimer et de faire... d'expulser... toute frustration. Mais bon, ça, il y en a qui l'auront pas compris. Et il faut toujours dire, le jeu est parfait, le jeu est magnifique, le jeu est sexy. Ma femme se fait baiser. Voilà, donc bon c'est... Mais pas par moi, par contre. Ça, c'est le genre de gameplay que les fans de Souls aiment. Enfin, en tout cas, les fans d'Elden Ring. Eh oui. Just saying. Hop, petit caillou sur l'épaule. Ouais, bah ouais, putain le jeu. Putain, super, je suis super heureux. Le boss m'a quand même bien niqué le cul. Ladies. Oh. 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 Ça roule mon pote, je vais te sortir de cette situation houleuse. Ça va emmerder l'autre là-haut qui me tire dessus avec son... Arrête là-haut! Après, je suis à tout prix un kiffeur, hein, quoi qu'il arrive. C'est toi là que je dois affronter? Énorme rat. Encore un rat, hein? Ah non. Vous allez me dire qu'on s'amuse là quand il y a 3 ennemis en même temps qu'on 150 PV chacun?
Non mais sans déconner, c'est pas drôle, frère. Pourquoi ils ont autant de PV? C'est insupportable. Oh là là, non, je me suis barré, j'ai Alt F4 parce que le boss me pétait les couilles, honnêtement. Non mais là, c'est pas marrant. Genre, tu veux juste progresser dans le jeu, t'as des ennemis littéralement qui code-bloquent, là. Eh, vas-y, il me suit jusqu'ici, lui. Et surtout les archers dans un jeu dans lequel t'as aucune arme à distance, sérieux. Ah là là. C'est assez handicapant parce que là je peux vraiment littéralement rien faire contre eux. Oh. Ah. Donc moi je peux tomber des ledges mais pas les ennemis. Donc faut que j'aille faire le boss là-bas là. Eh bah j'espère. Putain, quand est-ce que je vais jeter débloquer le pouvoir qui tue les. Enfin ceci dit maintenant je peux engager un coup. Ah ça par contre ça c'est game changer. Honnêtement game changer. Là en gros ce que je viens de débloquer c'est la possibilité de enchaîner mes coups en combo même si j'étais. Enfin je suis en train de. Enfin même après une esquive. Ça va vraiment m'offrir du confort et des dégâts de façon irrémédiable. Parce que c'est très bien que c'est le dernier coup du combo qui donne un énorme coup de bâton qui fait beaucoup de dégâts et dégâts critiques je suppose. En l'occurrence. Sauf que bah impossible de le faire passer si t'es pas en train d'enchaîner 56 coups d'affilée quoi. Et ça c'est juste pour faire joli? Putain. Eh bah ça l'est, putain. Ah non mais le jeu est magnifique cependant. Oh sa mère. Oh sa mère, donc. Oh si c'est bon. Un petit repos. Repos du soldat. Donc la grotte c'est par là-bas. Hein. On va y monter là-bas. Hein. On m'a parlé d'une grotte. Deal with it comme on dit. Mais cependant je trouve qu'il y a un gros souci d'hitbox dans le jeu quand même. Genre sur beaucoup de situations c'est les hitbox qui viennent me poser beaucoup de soucis sur les dégâts. Bah un petit peu comme tous les jeux du genre hein. Désolé hein mais Elden Ring c'est un jeu de rythme. Enfin moins que Sekiro mais. Voilà. Je rappelle c'est un trash mob hein. Ce sont des simples mobs qui sont littéralement même pas des boss, hein, c'est. C'est pitoyable. Enfin, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est juste nul à chier, genre premier degré nul à chier. C'est nul à chier ce genre de truc, désolé. Hein. Il a une aura bleue, ouais c'est bien, je vais pouvoir récupérer un nouvel esprit qui va me servir à rien littéralement du jeu. Genre littéralement les esprits ne servent quasiment à rien pour la plupart, il y a deux esprits qui servent à quelque chose. Ils servent, en fait, ils servent limite juste pour leur effet d'équipé, enfin effet équipé. Niveau 55, bah je suis niveau combien moi? Où est-ce qu'on voit les niveaux? Niveau 33. Du coup ouais non mais les c'est pareil en termes de ça sert à rien ces trucs la plupart hein. Lui il est bien parce qu'il rajoute de la défense. Enfin, je vais rajouter ça, hein, je vais reprendre lui hein, c'est le seul qui sert hein. Pour le moment c'est le seul qui sert hein. Il augmente la défense, voilà bon bah. Je prends moins de dégâts, c'est tout ce que. Bon, super, il va revenir l'autre fils de chien.
Je vais pas l'affronter, ça sert à rien. Ça me sert littéralement à rien de l'affronter, hein. Je gagne rien du tout. C'est amusant, les boss avec plein d'ennemis dedans. J'espère que ça compte. J'espère que ça compte. Parce que franchement, pitié quoi, le genre d'ennemi là. Oh, qu'est-ce que c'est nul. Oh, franchement, il y a des trucs vraiment à chier. Genre là, je le fais par obligation, mais. C'est bon. Par contre, j'ai rien gagné du tout. Du coup, j'ai rien gagné. J'ai buté le boss, mais j'ai rien gagné en retour. Donc, bah, c'est cool. Salut Megalibet. Bon bah on y retourne, on va voir le rat qui est coincé là-bas. Je rappelle, je fais ça juste pour pouvoir affronter un boss et qu'il soit moins chiant. Pas pour qu'il soit plus cool, juste pour qu'il soit moins chiant. Puis même la progression elle est pas agréable à certains moments là, genre. Je suis obligé de me taper sur les ennemis pendant 20 minutes pour juste en affronter un et obtenir un peu d'XP. Ça y est, frère. Salut, j'ai trouvé l'eau. C'est par là ? Ah, c'est par là. Franchement, les hitbox, elles sont vraiment à chier, je trouve. Les hitbox sont vraiment à chier sur le jeu. Voilà. Non mais vous vous rendez compte là? Là vous vous rendez compte ou pas? Je frappe le bouclier là. Là je frappe le bouclier tout à l'heure. Il était au sol, je frappais le bouclier.
franchement, c'est catastrophique certains trucs. Hein. Franchement, catastrophique. Allez, oh là là. C'est bon là. Mais je pense pas être fou, effectivement. Les hitbox du jeu sont vraiment catastrophiques, genre. Et du coup, j'ai gagné quoi? Peut-être enfin un truc à faire. C'est quoi le Fort Bane? Genre, je sais même pas c'est quoi. Ah! Oh putain, j'en peux absolument plus. Non, mais vous vous rendez compte que la hitbox des trucs ils me touchent alors qu'ils sont littéralement au-dessus? Genre, les trucs me traversent là. C'est bon. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on peut se faire chier par moment? Et du coup là c'est quoi la suite? Je vais où? Je fais quoi? Honnêtement j'ai... Arrête, ça me saoule de... Là je suis plus dans l'esprit de je veux me débarrasser de ce qui se passe là par la suite plutôt que j'ai envie de jouer au jeu. Je veux juste battre le rat et affronter les autres boss parce que le rat me saoule. Bah j'essaie de faire la quête du sanglier mais je sais même pas comment ça fonctionne ni... En fait là je progresse juste dans le truc mais ça avoue que... Non mais tu te rends compte, même avec les coups d'Arky, t'as bien vu qu'il y a des moments où je frappais un mec, ça frappait pas le mec. Item à l'homme caillou. Mais je sais même pas où il est l'homme caillou. Non, non, après je reprends R6. Hein. J'ai qu'une seule hâte, c'est de finir le jeu pour reprendre R6. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est. Je pense qu'à ça. Lui? Comment ça, lui? Bah oui, mais pourquoi il m'attaque? Il est con, quoi. Pseudo boss, je l'ai battu le pseudo boss. C'était de la merde d'ailleurs, mais. La bonne merde. C'est quoi les Four Banes? Depuis le début, ça me parle des 4 bannières là, mais j'ai aucune idée de ce que c'est, hein. Ça c'est bien ça de pouvoir reignite tout. Moi je peux pas l'améliorer plus. Attends, je vais rester. Et je vais essayer de parler au vieux là alors. Bon. Sors de là! Je sais pas, je comprends pas. En vrai, comme il y a des trucs. Il est où là? Il veut pas apparaître le marchand?
Vous avez vu le nombre d'ennemis de merde qu'il y a partout. Voilà, voilà les Benny Box. Non mais c'est juste chiant à un moment. Oh là 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 là. Et pourquoi il apparaît plus là, le marchand là? Pourquoi il apparaît plus? Il était là il y a 2 secondes. Ne dites pas qu'il est mort là. Oh là là là. Non, c'est, les, non mais les hitbox sont bien parce que techniquement ils me touchent pas, mais vas-y nique ta mère un peu. Genre. Salut caca. Frappe ! Qu'est-ce qu'il attendait là ? The fuck? Comment ça je suis en stream? C'est moi ou c'est un classique ce son encore? Comment ça va le plus bel homme du monde? Oh purée de pommes de terre. Eh hey, vas-y mais allez vous faire enculer, c'est bon il me casse les couilles le jeu à mettre des ennemis casse-couilles à affronter tous les 3 mètres là. Oh! C'est pas drôle! Remettez des trash mobs qui ont pas de vie là! C'est reparti, encore un. On peut faire exploser les studios ou pas là? Voilà, voilà. Non mais c'est bien. C'est bien, c'est bien fait comme jeu. Bah le jeu est bien mais les hitbox du jeu puent la merde. Les boss sont pète couilles à mort. Et c'est juste. Genre y'a des trash mobs de con tous les 3 mètres. C'est... Le jeu pourrait être vraiment excellent mais non, ils décident de faire un jeu de con pour la plupart des trucs là. Oh là 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 là. Merci Réré. Sans déconner, c'est ridicule là. Oh. Et là voilà. Là dis-toi, je frappe dans son dos, ça frappe le bouclier. Hein. Non mais c'est nul les beatbox frère, c'est une dinguerie. Ouais bah oui, bah moi parce que moi je suis pas une énorme salope qui suce tous les jeux vidéo, Rémi aussi. Je suis mort. Mais si j'aime le jeu, mais vas-y frère. Ça me pète les couilles quand les jeux vidéo, il y a des trucs parfaits et à côté t'as ça, genre. À côté t'as ça, genre c'est super génial, mais d'un coup t'as quoi? Des hitbox qui marchent pas tous les 3 mètres. Tous les 3 mètres je me fais baiser parce que les hitbox fonctionnent pas. Tous les 4 mètres il y a des ennemis qui ont 150 000 PV. C'est pas amusant, juste. Et je joue aux jeux vidéo pour m'amuser, moi. Ah putain, là tu viens de tout dire, hélas, carrément, ça me donne envie de devenir crazy. Moi ça me donne envie d'acheter des Crazy Camel là, moi, personnellement. Mais ça c'est que mon avis, personnellement, fan de Crazy Camel et fan de Théorus avant tout. Je vous jure, je me détends plus sur R6. Hein. C'est dingue. Ouais, le chanteur rock me manque. Attendez, parce que je crois que quelqu'un a encore subé, j'ai pas dit merci, mais... Ah si, c'est bon. Whatever. Regardez, regardez. Lui là, là il y en a 15 tous les 3 mètres et ses fils de pute ils ont 1000 PV genre. Regardez les dégâts, regardez les dégâts que je leur mets. Oh là là, je suis obligé d'utiliser des ultis pour pouvoir le tuer. What? Comment c'est possible, regarde là. C'est moi ou Oli, c'est un athlète intergénérationnel. Ah je suis mort de rire, je viens de mixer. Un petit mix and twist d'actualité, de people et de blagues. Je pense que honnêtement, on pourra pas faire mieux en termes de ce que je viens de faire. Allez, j'avais trop hâte d'affronter cet ennemi.
On peut faire quelque chose pour ce jeu ou pas? On peut faire quelque chose pour ce jeu ou pas? C'est... Mais c'est une dinguerie là! Genre c'est premier degré une dinguerie! Heureusement que je peux me transformer en gros caillou! Ça par contre c'est cool. Ah c'est magnifique par contre. Give me my holy. Let's give me my holy. Qu'est-ce que tu penses de cette reine toi, Ridvan? Ah mais c'est magnifique ça, c'est absolument... c'est indéniable, le jeu est magnifique. Cependant, je trouve vraiment que... Que c'est chiant à affronter la plupart des ennemis et que... Et là, je suis censé faire quoi, là? Faut venir la chier. Ok. Ok, ok. Good news. Comment je traverse, là? Je peux pas traverser? Je suppose qu'il faut que j'avance. Et je trouverai l'objet après. Ah, j'ai hâte. Et le marchand, là, où vous m'avez dit qu'il fallait que je lui parle, là, du coup, il est mort, il a disparu, donc. Donc, je peux plus avoir le marchand, je peux plus avoir l'objet, etc. C'est cool. Parce que le mec qui m'attaque, je le tue et en fait apparemment c'est un marchand. Ah ben, ça m'apprendra. Prochaine fois, je ferai attention à tous les mecs qui vont me demander du fric dans la rue. Je leur dirai, bah bien sûr. Vous avez peut-être un item secret pour moi par hasard d'ailleurs, sur votre derrière votre carton. Allez, regardez, on va compter le nombre d'ennemis de merde à chier dans cette zone là. 1, 2, on continue hein, parce que c'est pas fini je pense. Ah, ah non, un boss. Bon, ça faisait déjà 3 par là-bas et 4 avec le boss. Hello! Lui, c'est Bullfrog 4. Putain, mais il est magnifique cet ennemi. Il est plus là? Non, il est mort visiblement. Bah, du coup. Tu veux quoi, ce mec? Mais c'est peut-être le meilleur. Il me suit ou... C'est un boss? Oh là 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 là. On a quelque chose pour le dessouler, bah je viens de le faire. Genre visiblement il a bu et il est dessoulé là. Oh, oui bah... Oui, bah comme je suis beaucoup trop obèse pour passer à travers la porte là visiblement. Ouais, fallait que je lui file un truc et je lui ai filé un truc et il s'est relevé donc bon. Bah, visiblement c'est bon hein. Ah ce bateau est trop grand autant pour moi. Ah et le problème c'est que ça ce serait pas chiant si le truc avait pas, voilà, l'équivalent d'une barre de vie de boss. Non,
nombre d'ennemis de cons qui ont des HP débiles dans le jeu, c'est abusé. C'est quoi cette singerie? Monkey Game, le... On est, je crois que c'est le troisième du nom, Monkey Game. Monkey Game Fat Balls, je crois, le jeu. Balls in the ass, je pense. Ouais, ouais, mon arme, elle fait zéro dégâts et je comprends pas pourquoi, parce que j'ai pris quand même des améliorations qui augmentent les dégâts de l'arme, mais... Et j'en ai pas d'autres armes, d'ailleurs. Ah si, je pense. Non, Assassin's Creed, je pense que j'y jouerai pas, il a l'air vraiment nul à chier, hein. Je suis désolé, mais si j'ai envie de jouer à un jeu du genre, je vais jouer à Ghost of Tsushima, quoi. Premier degré, désolé, hein. Attends, parce que là, j'ai, du coup, j'ai deux points à dépenser. Self-advance. Du coup, j'ai un deuxième. Ah! Ah bah enfin, j'ai des trucs. C'est réactive. Ok. Art of Money. Ça, ça a l'air pas fou. Ouais, parce que... Changing speed. Mais y'a rien qui augmente. En fait, j'ai rien du tout qui augmente concrètement mon attaque, genre. La Trusten, ça augmente la stamina. Je reviens, je vais chercher ton jambon. Désolé, mais j'aime trop ce personnage. Hein. Bah, je suppose qu'il faut lui donner un truc, mais il faut que je trouve le truc et je sais pas comment parce que bah. Non, en vrai, il y a peu de chances que je joue après à Assassin's Creed. Il y a un monde, hein, genre quand il va sortir, je vais peut-être tester pour voir ce que ça vaut, mais... Je pense que j'aurai la flemme de l'acheter. Hein. Ah mais en vrai, je pense qu'il faut que je me TP. Je sais que ça pourrait que l'inverse, ouais. En vrai, le problème... Non, mais en vrai, Redvan, si tu veux jouer à un jeu du genre qui est stylé, joue à Ghost of Tsushima. Hein. Je suis sûr, Ghost of Tsushima, c'est un classique à côté, genre. Pour l'avoir fait... Après, j'avoue que moi, Ghost of Tsushima, c'est le côté open world qui m'a pété les couilles. Genre, j'ai FF à cause de ça, honnêtement. J'en ai marre des open world. Et du coup, j'ai drop le jeu. Mais sinon, c'est excellent hein, en termes de gameplay. Hein. Une femme estime. Mais allez, reviens le vendeur. Je t'en supplie. Faut que je quitte le jeu. Bon, je vais quitter le jeu, c'est pas grave. Je vais quitter le jeu et relancer. Tu peux augmenter un peu le son de ton micro, s'il te plaît, chef. Ouais, j'avoue, excuse-moi. J'ai l'habitude de jouer. En fait, comme je suis un gamer qui fait attention à ma santé, je joue à plus d'un mètre de mon écran. Alors je joue loin de mon écran. Alors il faudrait que je m'approche. Delta Force, apparemment, c'est stylé. De ce que j'ai vu. Après, la seule personne que je connais qui ait joué, c'est Mikalo. Le boss, d'ailleurs. Un mètre, c'est trop loin. Je sais pas, un mètre pour moi, c'est pile poil la distance. Hein. Vaut mieux pas être trop proche. Enfin, pas un mètre, mais je suis à 70 cm peut-être. Moi je suis juste gay. Et bah la méga classe mec. 60 cm.
Je sais pas, mais je suis pas trop le proche quoi, j'aime pas être trop proche. Eh vas-y, il est où le vendeur là? Pourquoi il y a pas le vendeur? Pourquoi j'ai plus le droit d'avoir le vendeur? C'est une folie. Là, je savais pas qu'on pouvait faire famille Steam. Bon après c'est pas une question d'argent, c'est juste que bon, quand tu vois le jeu, est-ce que t'as vraiment n'importe qui? Même quand t'as du fric, pourquoi dépenser ton fric dans un jeu qui a l'air pourri? Enfin, là c'est plus une question de bonne Donc d'accord, je peux plus, donc j'ai pas le droit d'avoir le marchand. Donc là j'ai mon jeu est softlock parce que j'ai pas le, je peux pas avoir le mec. Ah mais je l'ai, non? Il est un peu plus loin, mais on me dit qu'il était là parce qu'il y a un mec. Bah il est où alors? Ah il y a une porte là. Logique. Par contre BO6 logique. BO6 il donne envie, désolé hein. Ah mais je l'ai déjà affronté lui là. Eh hey, comment? Le gros caillou en bas. Eh, je comprends rien, The Bee. Après, BO6, je te jure, le jeu, il a pas l'air dégueu. Genre, ça va être marrant. Hein. Moi, je pense que je ferai l'histoire et après, je ferai un peu de multi et puis basta. Juste, le jeu a l'air d'avoir un gameplay sympa. Bah, après, oui, c'est vrai que là, il y a de la hype autour du jeu. Parce... Mais je l'ai déjà tué! Ah non, je l'ai pas tué. Je suis censé être protégé. Hein. Le PC aime pas hein. C'est bien les ennemis. C'est bien les ennemis de 50 km sont pas trop rapides sur ce jeu. Ah dommage, je pensais que ça allait faire roche depuis en dessous. Ah dommage. Yeah!
Il est pas mauvais ce boss. Ça va, ça va. C'est juste bon, bah tous les boss ont des AOE donc. C'est quand même assez désagréable que littéralement tous les boss du jeu aient des AOE de con. Genre des coups qui touchent littéralement toute la zone. Tu peux être à 6 km, le boss a quand même un coup qui va te toucher. Quel que soit le truc. Puis c'est aussi des gros sacs à PV pour chacun. Après faut que je vois, je crois que le staff de... Je dois avoir un staff que je peux... Mais c'est vrai qu'il est rapide aussi. Ça a bien commencé dès le début. Putain, je vois le dragon, ça me donne tellement pas envie de l'affronter, je vous jure, ça vit. J'ai tellement pas envie d'affronter un dragon. Genre, je sais déjà que l'hitbox va être infâme. Et le combat va être chiant à mort. Et le problème, c'est que celle-là, elle fait plus de dégâts. Mais. Genre, ouais, si tu fais juste plus de dégâts. Mais en fait, elle combo avec un autre truc que je joue pas, genre. Du coup, elle est mieux, mais en même temps, elle est moins bien. C'est Kiri. Bah, j'ai le staff là, mais... J'espère que ça va se voir la différence, il y a 10 de dégâts en plus et des chances de coups critiques. Je suis dégoûté, ça se voit trop. Dégoûté, la différence est flagrante. En plus il est pauvre donc ce mec, hein. Je sais pas si t'es au courant mais... Et voilà, je vais mourir parce qu'il y a encore des AOE de con, hein. Ah, par contre, il y a des moments, c'est vraiment trop stylé, hein. Ah, l'enchaînement là. Donc là, j'ai récupéré quoi? This
heart of stone belonged to the one in our faith and slaughtered divine can be used in crafting weapons. Ah, je vais peut-être avoir une nouvelle arme. Ouais, le fait de pouvoir changer les postures. Moi, je joue souvent des postures différentes. Scanner of feeling. Ciao, Kiri. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de ça? Quid du vendeur? Est-ce qu'un jour, je vais voir le vendeur? Est-ce qu'il va réapparaître? Est-ce que je vais pouvoir... Ah bah voilà. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il me faut juste... Oh, il me manque de la will. Parfait. Bon. Parfait. Bah, à part affronter le boss en vrai. Oh là là, bah parfait là. Ah bah oui, bah enfin. Ouh loulou loulou. Ouh loulou loulou. Oh sublime. Oh le nouveau bâton de fou. Plus de dégâts. Oh là là, le nouveau bâton de fou. Oh le gros bâton. Le bâton, il a l'air de faire trop mal. Enfin. C'est un enchaînement bien cool. Bah, dites-moi pour le facocher, parce que je comprends pas là. Eh, moi je veux progresser, moi je m'en fous de découvrir certains trucs. Genre, il y a des moments où je veux juste progresser. Oug, oug. C'est pas un bruit de singe ça, oug, oug. Ok. Ah bah là, je pense que le. Mais en fait, du coup, officieusement, ça, c'est, ça me donnait des dégâts. Mais visiblement, personne ne pouvait me le dire. Le Radessa, pas encore, Norman. Mais là, je suis en train de vraiment augmenter mes dégâts. J'ai augmenté mes dégâts de... Enfin, j'ai multiplié par deux mes dégâts, là, honnêtement. Quasiment. J'ai multiplié vraiment mes dégâts par deux, là. J'ai vraiment augmenté mes dégâts par deux, là. Je vais le melt, le rat, ça va être incroyable. Ah, j'aime bien. En fait, de toute façon, vous savez très bien comment c'est comme... Ça, par contre, c'est une mécanique assez... On peut le dire, c'est une mécanique plutôt propre aux Souls. Le côté, le boss est trop dur, revient plus tard avec l'équipement qu'il te faut. Non, j'ai été le voir lui tout à l'heure. Tu m'as dit, il y a un mec là à récupérer. Reviens, c'est juste avant au Tegoto. Reviens. Alors par là là. Eh mon facos. Ouais, je peux tout faire, genre j'ai même pas besoin de lui donner des trucs. Là, faut que je retourne voir l'autre, c'est qui l'autre? Ah oui, celui qui est dans la cave là. Okay. Ah non, d'une pipe. Mêmes ongles, tu m'étonnes. Je commence vraiment à kiffer entendre le mandarin, premier degré genre. Au début je trouvais ça chiant. Enfin j'ai jamais trouvé ça fantastique. Squall Hideout, c'est lui là. Je trouvais pas ça fantastique, puis là finalement je commence à vraiment kiffer l'écouter. Le facochard de tout à l'heure. Ah. Je pensais que tu parlais du mec qui était caché là. Parce qu'il y a un mec caché là-bas dans le gros trou. Attends. Je retourne voir. Y'a pas encore le mec là-bas? Attends, je vais aller voir. T'as le badge de Kivamati, non mais la classe. Just saying, hein. Mais la méga classe. Ah bah voilà. Moi, ici, c'est tout ce qui est un peu de chien. Si tu n'es pas venu, je ne vais pas le faire.
Le chapitre 2, absolument, VN. VN. Ah, c'est ça qu'il me faut? Mais j'ai l'impression que je peux quand même discuter. Il me faut 12 100. On est d'accord, c'est ça qu'il me faut. Faut juste que je lui vende. Mais là, visiblement, je peux lui reparler direct au Vacochère, donc j'ai pas besoin de faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai réussi ça. J'ai juste lui parlé. Visiblement, je suis juste discuté avec lui, ça le dessoule. Comme quoi. Ouais, je sais pas comment non plus, j'ai pas eu besoin non plus. Ta gueule! Allez hop, moi je l'ai humilié là. Je l'ai humilié ce mec. Ah. J'entends. En vrai, c'est énervant. Moi j'imagine la situation, je me dis bah putain c'est dégueulasse. Moi aussi j'avais faim. Ah. Oh vache. Dégage, cocher. Ouais. Oh pardon, je voulais dire pas cocher. Je peux frapper ou... J'ai dodge, hein, littéralement, mais... Je suis mort là, maintenant. Viens, viens, viens. Approche, pas trop cher. Sois pas, Darky. Ok. Bon bah visiblement il a des choses à m'affronter, à m'apprendre. Oh, nouveau masque. Qu'est-ce qu'il a franc celui-là? Ah oh, mais j'ai plein de masques en fait. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai deux trucs de... Eh mais attends, il me manque un truc alors là. Oh, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai que deux? Bah, j'ai quatre, non? Eh, mais je m'en doutais. J'avais un truc qui me manquait. J'avais un truc que j'avais pas, c'est pour ça. Ok. Ah, c'est pour ça mon staff il était pas au max. Cochon, c'est quoi? After using the gold medals. Ah, l'armure de Préco, elle fait quoi? Parce que moi j'avoue que l'armure du Pilgrim au début est carry de fou, hein.
今人不见古时月，今月曾经照古人。你看，黄金之国也好，落日之国也罢，都已不复存在。传说这里的茫茫沙海之中，曾蛰伏着一只上古巨虫。这巨虫平日里沉睡地底，无从可寻。 一旦醒了，别钻出来吞噬。一帮的雷兽怎么这般疯狗血一般了？这外壳坚若磐石，寻常刀斧弓弩难以穿透。往来商旅不敢靠近，周边小国更是苦不堪言。是吞了雷兽，别急。适逢一只黄毛雕鼠下界，途经此地，感应到那巨虫身上似有无上佛力。 Ah, c'est trop stylé. Donc là, c'est un peu le lore du rat que j'affronte tout à l'heure. Je trouve ça quand même vachement cool que dans le folklore chinois, le rat soit pas non plus forcément juste un rodent, un nuisible atomique, quoi. Là, on est vraiment sur... Le rat est un protecteur. Je trouve ça cool. Genre, il y a des... Chaque animal a ses... Bah, il n'est pas forcément... n'a pas une hiérarchie, quoi. Deux qui durent plus longtemps que l'autre, hein, ce chapitre, c'est cool. Ah, j'aime trop, hein. Attends, qu'est-ce qui se passe si je vais là-bas? Rien, ok. Ouais, y a pas juste une histoire de flow, c'est genre... Le dragon du chapitre 1? Je savais même pas qu'il y avait un dragon dans le chapitre 1. Tu viens de me l'apprendre. Ah mais attendez, parce qu'il y a un mec aussi à qui je peux craft... Attends, le craft armor, j'ai de nouveau ou pas? Non. Ouais, j'imagine. Non mais c'est pas un spoil qui va me déranger, je m'en fous. Thank you.
Merci Nathan pour le sub. Putain, wesh, ça se voit, je lui ai pété la gueule, il avait un œil au beurre noir. Le pauvre, pardon. Désolé. En plus, ça se voit, t'es un bon gars. Ça se voit, c'est un bon gars, frère. Je vais juste péter les genoux, genre. Alors, j'ai donc quoi? J'ai un nouveau truc. Apprentice of Hate will lie at a combo. Moderate Async. Oh. 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 Once hidden inside the Buddha's head. Pas de patelus possible. Bon chat. Merde. Je peux pas là. Bon chat. Oh oui. Oh oui, tu es un bon chat. Ah, je suis un monstre. Oh. Kingdom of Sahali. 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 Non, parce que c'est des halons, donc des Sahali. Sahali. What the fucking hell? What the fuck? N'empêche, j'aime bien tous les staffs en fait. Y'a pas un truc juste augmente les dégâts? Genre y'a pas un truc augmente les dégâts. J'avoue que la Smash 10 ça fait trop mal. Ça j'aime bien. Oh, le classique. Bah ouais. Bien dit Zamashi. Foundation. Ah ouais. Ah bah oui, je suppose que ça va être par là en fait. Mais déjà faut que j'augmente ça aussi. Fondation je fais pas assez, je suis qu'à 19. Après 19 c'est pas mal hein. Ce que tu viens de prendre c'est grotesque. Ouais, je me doute. Parce que je vais pouvoir commencer un combo, ensuite bloquer le combo et enchaîner après et augmenter mes dégâts par la suite, ça va être extrêmement fort. Note of Voidness. Wow. J'ai l'impression que c'est le même combat que je dois faire tout à l'heure, mais par un autre endroit, ou c'est un autre combat différent là. Je suis pas sûr de saisir. C'est lui Laura visiblement. Hu Xianfeng bai le. Xiang bi ni you ji fen shen tong. Na yao guai shen shang bu zhi you he ba wao. Ni wo xiang ke. San mei shen feng dou bu neng shang ta fen hao. Yao yin na yao guai chu lai, xu you lei gu zhi ba. Wo lei xiang da gu yin chu ju chong.
En termes de mise en scène, c'est Barjo par contre, hein. En termes de mise en scène, c'est Barjo dingo, hein. Et là, on va l'affronter à deux. All classique, si possible. Un combat à deux, j'aimerais trop. Allez, on fait un combat à deux. Ah. Dommage. Oi, oi, oi. C'est tout? Oh. Vas-y, encore un. Frappe encore, mon vieux. Frapper, hein. Non, dommage. Oh merde. Comprendre que je vais me faire frapper par un truc sans avoir d'indicatif de du coup qui arrive. Bon. Ok, Insa. Non mais je suppose qu'il faut que je reste à contrer mais... Bon bah j'ai dodge quoi mais bon. C'est une attaque area effect. Et là on voit bien qu'il y a des attaques qui touchent en zone alors que ça ne touche pas du tout genre.
Là par contre, j'ai utilisé un spell qui contre et ça n'a absolument eu aucun effet et c'est ridicule et c'est dommage. En fait, ils auraient pu tirer ça par partie de ça et faire en sorte que du coup ça fasse un contre à la truc et fasse ressortir le truc directement, mais non, ils ont préféré faire en sorte que c'est juste du gâchis. Pareil là, bon bah qu'est-ce que je dois faire? J'attends encore? Ah, tous les boss aiment tous les trucs de débile. Ils ont vraiment trop aimé mettre des... Et comment je monte dessus là? Oh, encore un. Avec un énorme rat, my dream. C'était pas dans mon agenda, mais je prends. Ça a pas marché. Hey, je l'aide bien. Bon bah le sympa le dernier plan genre. Il a trop de flow ce rat. Et pourquoi on joue pas un rat genre? Oh le rat. Mais c'est mon meilleur ami. Putain, trop de flow le rat, j'adore. Bravo, 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 bravo. J'adore ce genre de combat. Et ça, non mais les fans de d'Elden Ring vont venir dire ah, c'est dommage quand même que je fasse pas tout le combat solo en slip et avec une âme qui fait un dégât, parce que ce serait quand même plus intéressant hein, plutôt que de le faire avec un rat, parce que franchement le rat il est plutôt trop fort. Oh j'ai tout dit par contre. Wine Tamer. Woo! I abide by the Buddha decree here to subdue the yellow one guy. Super. Et il est passé où le facochère? J'ai envie de reparler avec lui moi. Mon facos.
C'est moi où j'entends le goat. Non, le combat était vraiment incroyable contre le, pour le coup contre le scarabée. Étant donné que maintenant en plus, ce qui aide vraiment, c'est que là en ce moment j'ai vraiment des dégâts très agréables. Je commence à vraiment avoir des dégâts. Tiens d'ailleurs, je vais commencer à augmenter dans ma mes trucs là. Martial arts. Martial arts, faut que j'augmente. Hein. Moi, c'est Viridis, Stamina Cost of Jumping, Patience, C'est dans le martial arts, on est d'accord qu'il faut que j'augmente. Les attaques légères, tu vas enchaîner. C'est où les attaques légères? Ouais, plus ça avance, plus c'est agréable. Bah, faut que j'augmente Survival, ouais, mais. Martial arts à gauche, c'est pas mal. Celui-ci là. Ok, ouais, j'avoue. J'avoue, plus j'ai de focus, en plus, plus je vais enchaîner avec les grosses attaques et plus ça va être cool. Étant donné que là, je commence à pas mal best ce mode là. Bon, bah, direction le rat là, je pense. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Oh, je connais un rat qui va se faire enculer. Non, bah, vous aviez raison. Hein. C'est vraiment plus agréable à affronter, je pense. Étant donné, en fait, c'est l'intégralité de. Déjà, je veux voir si. Déjà, je fais beaucoup plus mal, ça c'est évident. Je fais beaucoup plus mal. Non, mais ça veut dire que je vais affronter mon pote là. Ah putain. Ouais, non, hier j'étais vraiment pas prêt. Après, c'est dommage parce qu'en soi. Je pensais que ça se faisait, mais c'est juste que le boss était. C'est comme ça. Mais vous savez, c'est comme ça, c'est tout. Il faut, c'est pour ça qu'un jeu faut le faire en entier avant de pouvoir complètement le critiquer. The gold lights, peace once. Attendez, parce qu'il faut que je trouve aussi, il n'y avait pas un. Il est pas par là, le renard. Attendez, non, oui, c'est ça, il doit être à côté du boss. C'est pour ça qu'on ne peut pas critiquer ni juger un jeu avant même de l'avoir terminé. C'est un ensemble, un jeu. Mais bon, allez l'expliquer au. C'est quoi ce. Cette armure de taré. Petit Flo, mais Flo de taré. Surtout les gants, genre ils sont incroyables les gants. Incroyable. Ça je le prendrai après, mais. Ça c'est ouf, faut que j'aille. C'est ouf, faut que j'aille pour le boss là. C'est la gate? J'avais l'impression que j'en avais un plus proche. Bah pour le rat là du coup. Crouching Tiger, c'est là? Ah ok. Ah bah oui, logique. Sur PS Vita? Ouais, je pense, hein. J'avais pas vu l'image. Parce qu'en plus, c'est bien, il y a les images des vendeurs, etc. qui sont dessus. Game Boy Color? Je pense aussi. Il doit peut-être y avoir un petit peu de frame drop sur Game Boy Color, mais rien de bien gênant, à mon avis. Tourne probablement sur iPod Shuffle d'ailleurs. Alors, ça fait quoi? Ah non. An ancient tattered page record, the formula. Upon use considerable. Alors, ça, la page, est-ce qu'elle s'ajoute directement
au truc ou est-ce que ça remplace quelque chose ou quoi? Parce que genre j'ai l'impression que c'est juste un truc qui... Ouais, je pense aussi qu'il saoule. C'est un petit peu meilleur écran sur PS Vita, genre. Puis c'est tactile, tu pourras toucher le singe. Google Play Store. Ah, bah voilà. Ça s'ajoute. Ok. Oh! Mortal Medicine? Upon use, consider increase. Ah, oh, c'est pas mal ça. Ça, ça augmente encore les PV. Ça, ça augmente la mana. Eh, je vais reprendre des PV, hein. C'est en 47 bits. Désolé. On n'a pas trouvé moins. Merci. Eh. Oh, si, si. Si, si, ça veut dire merci, je crois. Si, si. Il me semble, hein. Si, si. Ou je me trompe. Si, si. Bon, c'est rat time. Hyper raciste par contre. Faux. J'ai fait du chinois. Non, c'est le N-word. Oh là là. Eh, vous pouvez être marrant deux minutes. C'est écrit X-I-E, X-I-E. Et il me semble que c'est ça. Ah bah ouais, mais ça me dégoûte de devoir l'affronter en vrai maintenant. Normalement, parfait. Parfait. Encore un peu. Ah, dommage. Ah, 来吧！
C'est nul de mourir d'un truc aussi con, genre. Juste, c'est du vent et ça me tue. Voilà. Ah, je peux le taper pendant ça ? C'est un peu gaze. Par contre, j'ai toujours pas eu une seule fois des ups de ma gourde depuis le début du jeu et ça, ça commence à me péter un petit peu les couilles quand même. Genre, j'ai que 3 heals par essai, mais max quoi. Voilà, deuxième heal utilisé, maintenant j'ai plus que un heal pour toute la truc. Oh, c'est tout, ah, d'accord. Non mais sans déconner là, oh. J'ai même pas pu le frapper une seule fois. Hein. Ouais bah mon bâton il touche pas là. Allez vous faire enculer, sans déconner mec. Mais non mais sans déconner, mon bâton frappe le pied, on le voit littéralement. On voit littéralement mon bâton le toucher, pourquoi ça le touche pas genre? C'était pas possible. Mais franchement, pitié de pitié quoi. Ça leur coûtait si cher que ça de faire des hitbox correctes. Oh là 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 là. Oh, c'est nullissime! Ah, ça donne envie de gerber ce genre de truc, sans déconner. J'ai dodge, hein, mais pas... Ça fait plaisir que mes coups ne touchent absolument jamais en fait. Ouais, vous allez me dire, non mais pourquoi c'est si mal foutu ce genre de coup là? Pourquoi le coup, moi j'ai pas les coups genre comme eux où genre tu te déplaces de 10 mètres vers la droite, le perso il va te suivre d'un coup les 10 mètres. Moi mon coup il va frapper genre juste devant moi. Putain! Oh là 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 là! C'est nul! C'est nul! Genre comment ça là, ça touche absolument pas là? Oh franchement ça me dégoûte. Les tigrous.
Ok, dodge. Je comprends pas là. Là, il est censé me frapper quand même. Lightbox ou ce genre de truc là, c'est. Putain, heureusement que le Ultra Heavy Triple Ball là, il tanque le truc. Mon goût. Oh, il va faire de la guitare énorme. Il va faire de la méga guitare. Amitofo. Xiao Shi Zhu. Lao Na, nai shi Xiao Xu Mi Shan zhi Zhu. 法号灵吉，也是这鼠妖的看管之人。大圣陨后，六根不灭，散落到了世间。这贼鼠私下寻得其中一根，因自身修为有限，难以炼化，于是生了歹心。我不慎中了他暗算，连头颅也被他一并割去，做了存放根器。 修炼邪法的容器，连带黄风岭再次生灵涂炭。
我知罪业，此番重回大道，全赖施主智勇无双。这世上应只有施主一人，有资格保全此物。来吧，替我收好它。 Ça va peut-être améliorer ma gourde, ça. Wouhou, nouveau dessin animé. Oh, c'est de la... On dirait du stop motion. Oh, incroyable. Mais c'est du stop... Oh là 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 là. Mais c'est abusé. Non mais Rémi, la première animation du premier acte, elle était incroyable déjà. Oh là là, comment c'est trop beau. Bah ouais. The fuck. Cacher les nichons. Ça va, c'est lui moi. Mais c'est trop cool, c'est trop beau. T'as imagine si Ubisoft faisait des trucs au moins un tout petit peu aussi stylé que ça, Rémi. Oh, j'ai eu peur. Wesh. Non. J'ai eu peur. Pourquoi ? Toutes les cinématiques sont différentes. La première cinématique, c'était une simple c'était de l'animation, magnifique animation qui plus est. Et là, c'est du stop motion, c'est génial. Par contre, la première animation, elle était super longue, c'est trop cool. 可曾寻到天尽头的古国，又可曾撞上胡昌坠崖，石头打架，只怕你聋了耳又乱了心，越是贪图完满，越是搜不干净。属于虎都一样，没天命又不认命。小猴子，你听。 那风里传来的，都是求而不得的声音。
Donc, je suppose qu'il y a 5 chapitres en fait. À chaque chapitre, t'auras la. Il est. Non, il est en anglais parce que je préfère en anglais moi. Donc ça c'est moi. Ça c'est qui? Ah oui, d'accord, ok. Ça c'est le scarabée. Ça c'est le tigre. Ça c'est le rat. Le facochère. Bon, ça c'est tous les clochards, comme j'aime les appeler. Et là on a le boss guitariste. Putain, c'est vraiment stylé hein. Eh, c'est trop cool. Faut rappeler du coup que tu joues un singe avec les mêmes pouvoirs que Wukong. Là Wukong n'est toujours pas revenu. Non mais c'est clair, là on est en train de le revive. On revive Wukong. En légende, comme qui dirait. Eh, littéralement en légende. Chapitre 3, neige blanche, froid glacé. Mais non, mais je préfère juste le jeu en anglais. C'est un boss que t'as pas fait caché, je crois, mais c'est pas sûr. Non, mais il y a toujours des boss cachés, et de toute façon, c'est un jeu que je pourrais continuer après, mais... Calm down, guys, calm down. Non, mais en tout cas, c'est vraiment trop cool à jouer. Oh, purée de pommes de terre. De la neige, j'ai hâte de voir. Les 6 chapitres, t'as les 6 reliques et tu revives Sun Wukong, le singe légendaire, la classe. Tu retournes sur les anciens chapitres? Je pense que oui, ouais. À mon avis, oui. Sinon, c'est peut-être... Oh. C'est quoi ce goat? C'est qui ce goat? Oh, les statues sont folles. Qu'est-ce que c'est que ce goat là? On joue un peuple imbu de la puissance des singes quoi. Mais on doit effectivement se... Ah, direct. Bah ça c'est du début de chapitre. Calma. Salut Tipper. Bah réveille-toi mon vieux. Eh oh. Oh oh. Ouais, c'était sûr. En vrai, ils sont tellement fans de leur truc de... Quand tu bouges, ça fait bouger les trucs, qu'ils l'ont mis partout. Genre, je suis sûr, ils vont mettre de la boue à un moment, et du coup, ça fera pareil. Genre, c'est exactement la même chose que dans le sable, mais là, c'est de la neige. Oh, bien dit, Brossi. Je vais voir les dégâts que j'ai fait en... Qu'est-ce qu'elle veut lui? Qu'est-ce qu'elle veut lui? Tududun-tun.
La trace du sable dans la neige, ouais. Bon après je trouve pas ça si dingue que ça, on est en 2024, c'est pas non plus une dinguerie, mais c'est cool. Mais je m'en fous si ça y, si y avait pas eu quoi. D'ailleurs c'est sympa mais... Qui es-tu? Quel est ton parcours scolaire, c'est-à-dire? Moi j'ai fait une licence d'infocom et j'ai commencé une licence de cinéma et je me suis arrêté à la fin de la troisième année. J'ai pas terminé ma licence parce que ça me faisait chier qu'elle servait à rien. Zach en roue libre, tu m'étonnes. Non mais je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, évidemment, Dark est juste, effectivement, bon. C'est pas non plus le... Ah, nouvelle arme, est-ce que de nouveaux dégâts? Je m'en fous de One Boost, attends. Ah, dommage. Oh, plus de dégâts encore? Il me faut du Refine Iron Sand. Wouah, Rat, Sage. Oh lolo, il a l'air insane. 66 de dégâts, après, le cloud pattern, il est incroyable aussi. Hein. Et alors, du coup, on a l'armure du rat maintenant. Ils me font chier avec leur truc decoy là. J'aime pas jouer decoy. J'aime pas jouer decoy. Il me plaît pas ce spell. Ah oui, non, mais non, c'est pas. En vrai, j'aime pas trop les trucs passifs là. Genre, j'aime pas le. Le cloud step et j'aime pas le decoy. Je trouve que c'est trop de mana consumé pour pas grand chose. Maximum de bananes pour ma part, Bradley. Un maximum de bananes. Hello! Hey Thomas. Pam pam. J'en veux pas de ta truc. Garde-la. Pourquoi à un moment j'avais vu que mettre des dégâts ça rendait de la vie et que là ça n'est pas le cas depuis que je commençais à jouer au jeu. Bordas niveau 2 là enfin. Putain la distance elle est quand même cool. Chapitre combien là? C'est le chapitre 3 là. C'est dans mes trucs hein. Faut que je parle à un PNJ. Ah ouais d'accord, donc c'est pas enfin c'est pas direct. Upon successfully its life attack combo moderately increase attack by short duration. Oh bah ça c'est pas mal ça. Temporary increase attack after repair. Ouh ça j'aime beaucoup ça.
Narrowed window of rock-solid deflection becomes off the mana cost. Non. Ah ouais, faut retourner, c'est si loin que ça pour ça, Omega. Ôte-moi d'un doute, c'est stupide. T'as un TP à côté normalement. Certes, mais c'est stupide, non? Parce que c'est pas du tout logique. Oh! Ah oui, d'accord. Il s'est barré. Caillou plus fort que singe. Ah, par contre, je l'ai enchaîné là. Je l'ai enchaîné. Non, vraiment, je l'ai enchaîné de taré. Hein. Prochaine fois que je le rencontre, il aura probablement moins de PV. Il peut se barrer, bah visiblement hein. Ouais, je lui ai laissé le temps de se barrer quand il a fait. Oh putain, j'en ai marre de monter les escaliers. J'adore ce coup, moi. J'adore cette forme de bâton. Ah bah là, l'enchaînement il était sans ça, ça. Il a one shot le macaque qui vomit et qui pète. Ah bah je l'ai pas vu une seule fois vomir ni péter. Alors lui. Ça sent qu'il est casse-cou. Bah. C'est Made of Soil. Le premier chapitre était moins long que le second, mais ça dépend en fait de ton taux de complétion de chapitre. C'est à dire que honnêtement, je sais que j'ai loupé beaucoup de choses dans le premier chapitre. Le second, j'ai fait davantage de trucs, du coup le chapitre était plus long. Mais sur un total de 7-8 heures, en vrai je pense que 7-8 heures tu clears un chapitre complètement. Mais le premier c'est 3-4, enfin 4-5 je pense. C'est tout ici. N'y a-t-il pas autre chose? En tout cas, le premier était assez. Enfin, était très agréable. En fait, en termes de durée, ça se suit et je trouve ça cool, moi. Eh, des chapitres de 4-5 heures là, c'est très bien. Hein. 5-6 même. Bah, du coup, il y a quelque chose là ou... Ah, bah déjà, j'ai moins. Star Wars, il y a peu de chance quand même, Evanuel, ça a pas l'air fou. Bah de ce que Hugo disait.
Pour le coup, Snakats, je trouve, y a, c'est pas pareil qu'un Souls-like. Il y a beaucoup de trucs qui certes peuvent être similaires, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez différent. Bah, du coup, ça sert à quoi là que je reste ici? Ça sert à rien que j'aille ici, en fait. On est d'accord. Un peu perturbant, ouais. Dans le cas où, genre, là, je pourrais monter là, éventuellement. Ou... Bah, du coup, je sais pas où faut que j'aille. Ah bah là, il y a des escaliers. Mais là, je sais pas. Je vais être à une dizaine d'heures de jeu minimum. 15-16 heures. Et du coup, non, en fait, on n'est pas autant dans un Souls-like. On est sur un jeu qui emprunte certaines mécaniques au Souls-like. Genre, bah, le fait de tout simplement avoir des boss et certains trucs avec des ennemis qui ont beaucoup de vie et qui sont chiants à affronter. Mais outre ça, en vrai, on est plus sur un RPG classique, quoi. Juste visuellement, c'est un peu pareil parce que tu lock, il y a la barre de vie, etc. Mais... dans l'idée, ça reste assez différent. C'est pas si dur parce que, en vrai, t'as beaucoup d'outils qui peuvent t'aider à trivialiser chaque interaction. Mais là où la difficulté se trouve, c'est dans certaines hitbox de boss qui sont assez pourris. Sinon, c'est assez fair, je trouve, les combats. Ils sont agréables. Oui, voilà, les faits que les ennemis respawnent quand tu te reposes, etc. Pour le moment, tous les boss sont très marquants visuellement, hein, Nextia. Je trouve que les boss sont vraiment excellents chacun. Là, le combat contre le scarabée, c'était exceptionnel. Par contre, premier degré, exceptionnel. Après, là, je vois bien qu'ils se sont inspirés d'Elden Ring pour ajouter des boss de merde qui ont des PV de... enfin, des ennemis de cons qui ont des PV de merde, mais... voilà, ça c'est du Elden Ring tout craché. Les ennemis de merde qui ont des PV de merde et qui font des dégâts de merde, genre. Ça c'est du Elden Ring tout craché, je vous jure, je sais pas c'est quoi cette recette de merde. Je sais pas d'où ça provient, mais c'est vraiment de la merde, genre. C'est vraiment de la merde à chier, genre. Bon, on va faire le truc, c'est à qui qu'il faut que j'aille voir C'est qui qu'il faut que j'aille voir pour le... C'est lui qu'il faut que j'aille voir la potion. On va aller voir. Mais ça, c'est de la merde. Ah, le scarabée, il est incroyable, Armand. Genre, vraiment incroyable. C'est pas un peu trop simple, du coup? Non. Non, c'est amusant, justement, parce que c'est pas que du bourrinage. Il faut quand même réussir à faire des esquives, etc. C'est vraiment cool. Puis ceux qui trouvent ça trop simple, qui savent se faire enculer, hein, c'est tout. S'ils sont pas contents, qu'ils jouent au jeu en level 1, etc. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Non, mais c'est trop facile. Bah, ferme ta gueule, genre. Tu joues sans améliorer ton perso et puis tu casses pas les couilles à tout le monde. Ouais, je l'ai battu, Corpo. En vrai, il était cool parce que j'ai eu des augmentes assez stylées. Genre, vraiment, j'ai un nouveau staff qui fait beaucoup de dégâts, etc. Ouais, le jeu n'a absolument pas besoin de ça, Bang Bang. Genre, t'enlevais cette pseudo-difficulté, le jeu est vraiment beaucoup plus agréable à faire. Premier degré. Hello. T'as triché pour le battre. Même pas. Oh, Jade Lot is good. It seems instantly. C'est ça là, faut que je l'achète. Upgrade drink. Attends, parce que... ah, j'en avais 4. J'ai envie de l'acheter quand même, la gourde là. 7200, et j'ai le fric, hein. Autant que je la prenne. Hein. Et là, du coup, je peux l'upgrade. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. 8! Il en a qu'un par contre? Je vais en acheter un. Après, je préfère un truc.
Ah, il me faut des fragments de vine. Mais jamais de la vie, je vais les utiliser. Je vais attendre pour améliorer ça. Hein. Oh là là, elle est insane celle-là, la Jade. Wow, j'ai ça que je peux vendre, incroyable. Ouais, il y a des trucs de vente. Bah, j'ai pas besoin. En fait, je vais pas l'améliorer, je vais juste prendre, changer ma gourde. Hein. Juste, je change ma gourde, désolé. Hein. Je passe de 4 à 6. Insane. Insane. Ah, j'aime bien, on peut voir aussi le changement de la gourde. Ah, il manque juste un Luo-Xia. Où est-ce que je peux en acheter un Luo-Xia Fragment Vine? Ah, je sais à qui je peux en acheter. Merci. Pourri ton rêve. What? Oh, un gratte-gratte. Un gratte d'eau. Pardon, bah c'est pas si drôle. Évader de Wukong sur ta chaîne. Ouais. En vrai au début j'avais la flemme parce que je me suis dit je fais que m'énerver. Du coup la flemme, mais en même temps, hey, il faut que les gens puissent se reconnaître. Des fois, les gens, ils se disent « Ah putain, lui aussi, il s'énerve. I'm not the only one. » Et ça donnera du grain à moudre. À tous les, comment dire, les délateurs. Comment c'est déjà? Les dé... À tous les gens qui sont les haters. Eh, attendez, j'entends la guitare. Des tracteurs, voilà ça. C'est vrai, j'ai pas trop de détracteurs, à part des mecs qui disent n'importe quoi, mais du coup je m'en fous. Ah, j'ai pas. Oh, j'ai de nouveaux trucs. Ah, j'ai ça par exemple. Ah, mais attends, mais il a rien du tout lui. Ah, il a pas des. Ah, bah attends. Un mec médecine. Grossier. Non, parce que c'est... Je l'avais vu, c'est un mec qui disait... c'est vraiment extrêmement frustrant, les gens qui disent des bêtises. Premier degré, les gens qui disent des trucs faux. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve. T'es là, en plus, tu te dis, si tu réponds, le mec, il va se dire « Ah, il m'a répondu, hein ?» Donc c'est qu'il lit. Ok. Ça, je peux le vendre. En vrai, je vais attendre, je vais essayer de trouver un. Y'a pas un autre truc là qui vend des. Y'a que lui comme vendeur ici. Attends, je vais aller faire le tour. Yellow Wing. Lui, il vend un seul truc. Attends, je vais voir si lui, il vend pas autre chose. Derrière le mur en terre là. Putain, il est fort. Attends. Faut juste que ton message défile en entier, je vois que la moitié du message. Ah oui. Ouais, Elden Ring, j'ai vraiment eu du mal avec certains trucs. En fait, je trouve que le monde est incroyable, mais c'est pas très agréable à... Enfin, la première partie, je l'ai trouvé très agréable à faire. J'ai beaucoup aimé visiter le monde dans Elden Ring, dans le jeu de base. J'ai trouvé ça génial, magnifique, vraiment très agréable. Cependant, je trouve vraiment la majorité des boss nuls. Genre vraiment chiant à affronter. Pourri à chier même. Ah merde, y'a pas ce que je veux. Attends, mais ça a aucun intérêt. Je l'achète 12 800 et je le vends 9 000. C'est un 6 000. Et je trouve que le DLC, les boss étaient pourris et l'exploration était pourrie. J'ai aimé hein, sinon l'expérience, mais c'est vrai que bah c'est vraiment pas du tout mon Souls préféré du tout genre. Il y a eu beaucoup plus de trucs qui m'ont ennuyé sur le jeu que vraiment beaucoup plus. On est parti.
pourrais en termes de quoi si tu pourrais développer. J'aime pas du tout la façon dont ils s'affrontent, j'aime pas du tout. En fait, non, il y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a aucun qui m'a marqué visuellement, aucun qui m'a marqué en termes de combat. J'aime pas le fait que, encore une. Bah là, c'est aussi présent dans ce jeu-là et c'est un truc qui me saoule. Le nombre d'attaques où, genre, c'est de l'AOE ou alors, genre, il y a des effets visuels partout, etc. Les doublons, entre autres, il y a beaucoup de trucs qui montrent que j'ai trouvé vraiment chiant, quoi. En fait, ça fait un peu de cheapos pour certains aspects. C'est très décevant, quoi. Mon Souls-like, j'ai pas de Souls-like préféré, mais mon Souls préféré, c'est le 3. Vous voyez qu'il fait mal au cœur, mais ça n'a eu comme. Bah non, mais j'entends absolument que tout le monde peut pas être d'accord avec moi, c'est évident. Bale, incroyable. Bale, le... non, par contre, Bale, c'est le meilleur du DLC. Parce que Bale, il est trop beau. Pour moi, c'est du Kaiju tout craché, donc je surkiffe. Le combat contre Bale est trop cool, mais uniquement parce que tu peux le faire avec un mec avec toi. Genre, le fait que tu puisses le faire à deux, le combat contre Bale, incroyable. Puis j'aimais pas du tout dans Elden Ring aussi la... Bon, c'est arrivé plus à partir du DLC, mais les trash mobs qui ont des dégâts insensés et des barres de vie insensées. Relana, j'ai pas trop aimé, moi. Elle m'a saoulé. Non, vraiment, Bale, je trouvais trop cool. Et Midra aussi, j'ai vraiment aimé, par contre. Wukong, ah bah je préfère l'expérience Wukong, même si Wukong tombe un petit peu dans des travers avec des boss débiles, AOE débiles et juste des PV, mais ça se... C'est plus facile à justifier la façon dont on doit se balader dans Wukong pour récupérer des améliorations que dans... Tiens, il y a un raccourci là. Que dans Elden Ring de con. Tiens, raccourci. Dis quand tu veux Apex parce que je te connais. Ben ouais, bah là j'ai pas envie d'Apex, j'ai envie d'avancer un peu dans le jeu. Je fais un boss et après je suis chaud. Mais encore une fois, le boss il peut être long. Mais je t'envoie un message dès que j'ai envie d'Apex, Prota. Mais je serai chaud. Non mais Bale par contre, moi je le surkiffe. Bah après j'avoue que j'ai surkiffé Bale et Placidus Axe juste parce que les boss me rappellent des Kaiju, hein, mais c'est tout. Hein. Alors peut-être qu'il était moins compliqué Tigrou, mais il était insupportable à affronter. Enfin, les boss avec littéralement tu peux rien voir, c'est quand même un peu chiant. Ah mince. Apex en stream. Cacassoulé, putain, le cacassoulé coffre un sub, énorme suceur, putain, je suis mort de rire. Mais empêcher ce mec de sucer. Moi, je suis un monstre. Le mec offre un sub, je l'insulte. Gotesque, n'est-ce pas? After painting, light attack starter, temporary deals. Ça, j'aime bien. Merci, Bad Sand. J'ai augmenté pas mal dans Martial Art. J'utilise pas beaucoup le truc, le move là de... On subgift toute la CCB, c'est fort. Alors si là il n'y a pas un boss, je pense que on peut me foutre à poil. Genre littéralement. Du bol, j'ai failli me foutre à poil. J'aime trop les designs du jeu. Ah ouais? Ah, j'avoue que je suis quand même.
Ah non, tu pipes. Elle est quand même pas très aérodynamique une chauve-souris s'il faut battre autant des ailes pour avancer. Just saying, hein. Hop là, attention! Hop! Ah, je contrôlais pas là, malheureusement. C'est long là. Oh, ça va! C'est moi ou c'est mon meilleur pote? C'est moi ou c'est mon meilleur ami là? Donc là je vais affronter un mini-boss, on est d'accord. Oh purée de pommes de terre. Un singe se transforme. Bah peut-être parce que c'est Wukong qui est littéralement un dieu singe. C'était pas un boss. Non mais en fait vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu une interaction quoi. Ah putain sa mère. Pas de boss à poil. À poil. Oh ça va là les gros pervers sexuels du chat. Non mais bon, mark my words. Alors hello. Ah ça glisse pas sur la glace. Ah je glisse pas sur la glace. Oh. Désolé hein, je glisse pas sur la glace. Niet. C'est 0 sur 10 le jeu. Ah j'avoue j'ai peut-être des trucs en deçà, en dessous des pieds. En combat t'aurais hurlé. Jamais j'aurais dit génial. Minus Tenora le jeu. Oh je suis montreux. Moins 150 000 crédits sociaux le jeu. Oh là là la ref. Mais je suis un monstre par contre. 2 sur 20 notre global. Exactement Alex. Oh revoilà le goat. Pardon. 康金龙，你法性已通，出来帮为师试试他的成色。看看这只猴，是否够格，用我的。Oh non! J'avoue que j'ai la flemme d'affronter un dragon là. Ah j'ai trop la flemme d'affronter un dragon sa mère. Ah Zulbi. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment pas envie de l'affronter hein. Ça se voit qu'il est pourri à chier ce boss. J'ai pas du tout envie de l'affronter, c'est chiant les dragons. Oh là 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 là. Oh ça se voit que le boss est trop chiant à affronter sa mère, genre ça se voit que c'est trop chiant. Oh non non non. Oh le boss qui va être trop chiant, ça se voit. Oh là 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 là. Dans Sekiro j'avais trop kiffé mais. Oh j'ai tellement pas. Ouais on ronfle hein.
c'est chiant. Oh là là. Mais je savais déjà que ce combat allait être chiant à mort, genre. Et il est bel et bien chiant à mourir, genre. C'est même pas stylé, je m'en branle, moi. C'est très chiant, c'est nul. Oh là là. Qu'est-ce que c'est pourri ce genre de fight là? Sans déconner quoi. Oh, salut Samy! Comment ça va? T'arrives sur un fight pourri. Ah, c'est joli hein, mais c'est juste chiant quoi. Moi ça va super, j'affronte un boss de merde sur un super jeu. En vrai tous les boss sont chiants à affronter la plupart. En vrai c'est difficile à noter, faut que je le termine avant. Il y a vraiment des boss ultra satisfaisants genre... Mais sinon il y a beaucoup de trucs trop cool hein. Ouais, il y a beaucoup d'attaques en fait, c'est de la OE, c'est chiant. Et il est large prenable le dragon, hein, facilement même, mais vous voyez c'est juste un peu long et chiant quoi. Puis le fight n'est pas forcément agréable parce qu'il y a des hitbox foireuses. Là on peut constater, hein, les hitbox sont bien foireuses. Ouais, c'est vachement sac à PV quand même.
c'était sa première phase, c'est ça? J'ai même pas un sentiment de réussite, tellement le boss était ridicule. Attends, mais il se prend pour qui lui? Mais il se prend pour qui lui? Je l'ai fait fuir tout à l'heure, il a fait comme ça, merci s'il vous plaît, messieurs. Il se prend pour qui? Je crois qu'il fait peur à qui? Malade ce mec. Je l'ai humilié. Bon, j'ai avancé un tout petit peu, mais j'ai dit à Pota que j'allais rejoindre après mon boss. Apex. On s'y a un monstre, non, c'est bon. C'est que le boss était trop simple. Mais là on est dans les prisons de Dark Souls 3 là. Enfin. Bah j'ai dodge en fait, littéralement, hein. J'ai littéralement dodge, mais c'est pas grave. Aïe aïe aïe, caramba. Combien d'heures de jeu, je sais pas. Une, à peu près, au moins, voire plus. Pourquoi je me ferais chier à avancer dans la truc? Jure! Bon. Ah, j'ai un nouveau craft. Le Kangjin. Ouf, les dégâts! Oh! 70 de dégâts, 6% de critical hit. Celui-là, il a l'air insane aussi. Hein. Si c'est vrai, c'est insane, Albert. J'avance un peu. La gourde à 6, elle met vraiment bien. Hein.
Nique ta mère, toi. Bon, je... Dégage. Elle. Bon. Si je continue comme ça, je vais jamais m'arrêter, je le sais très bien. C'est exactement mon genre quand je joue à ce genre de jeu. Je suis incapable de savoir quand m'arrêter. Je vais m'arrêter au feu avant là. Tranquille, tranquille. Attends, normalement j'ai un TP pour les feux. Oh. Trop stylé. Voilà. Non, non, le jeu est exceptionnel. Hein. En vrai, il y a des boss que j'aime pas trop. Mais ça c'est très personnel, juste je trouve ça insupportable d'affronter des conneries là comme ça. Là. Putain mais ça c'est ouf ça. Shining Light, Starlight Cloud Beaded Atle. Il me manque juste un Drosia. Dragon Vine et après je pourrais avoir un truc mieux. Vaut mieux faire return to title et ensuite l'autre là que l'inverse. Attends, déjà je vais sur A. Mmh.